J'entendais dire que plus loin vers le haut du lac, dans le bois, et où il n'y avait encore personne, il y avait de la bonne terre. Il a pris une concession, bâti une grange, une maison, une étable. Montrez-moi le bois de bout quand je le couche. On va éclairer à la place, M. Chapdelaine. Un homme qui t'offre. C'est quelque chose qui peut me consoler de rester si loin dans le bois. C'est de voir mes hommes faire un beau morceau de terre. Moi, je t'en ai. C'est faire n'importe quoi, rien parce que c'est un garçon. Jamais puni pour de vrai. Petit malenvenant, tu vas voir si je te pogne. T'aurais fait une vie plus heureuse avec un autre homme que moi. Non, Samuel. On est chanceux. On n'a pas été bien malheureux tous les deux. Les garçons sont de bons garçons. Puis Maria, toute bonne fille aussi. Ah ben, un revenant. C'est qui, François Paraty? Tu peux pas t'en souvenir. Il est rendu coureur des bois. Ça doit être Eutrope Gagnon qui vient le voir. C'est pas une grande prophétie, c'est vrai qu'il y est souvent. Oh, la Rose, c'est toi donc. L'amitié que j'ai pour vous, ça peut pas se dire, Maria. T'es amené avec moi mon neveu, Lorenzo. Il travaille dans l'état du Massachusetts. C'est une grosse place, là, vous êtes? On est juste à une heure de Boston. Et ça, c'est une vraie grosse place. Tu vois, tu dis toujours qu'on vit au fond du bois puis qu'on voit jamais personne. Ouais, mais ça fait bien les garçons. Pis rien qu'une fille, par exemple. Et mes parents avaient besoin de moi en maison. Pourquoi avez-vous pas dit à vos parents qu'on s'était vu la Saint-Prime? Peut-être vous a-t-on dit quelque chose contre moi. Non. Ton père m'a dit qu'un jeune homme des États-Unis était revenu ici pour te parler. Tu vas prendre le temps d'écouter. Je suis venu pour vous, Maria. Comme ça, on se met à être malade, comme les gens qui ont les moyens. Je suis désolée, Eutrope. Alors, vous allez partir? Ça montre qu'on est des puissants enfants dans la main du bon Dieu. Hey! Lâche-moi pas! Vous êtes trop nord. L'hiver est trop dur, l'été est trop court. Des hommes comme ça. On dirait que le bois connaît des magies pour vous attirer. Vous pourriez bien tous mourir sans que personne vienne vous aider. Je pense que depuis le commencement du monde, il n'y a jamais eu un printemps comme ce printemps-là.